wanna shine and I gotta let it show. Show up on the scene, walk right through the door. Got a nigga on repeat, it's my double up flop. Vibrate the whole building. Eh bien, salut à tous les amis, c'est Vertueux, j'espère vraiment que vous allez tous très très bien. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve sur GTA V Online sur Next Gen pour vous faire part d'une toute nouvelle vidéo qui va vraiment vous intéresser. Alors cette vidéo va à la fois mélanger des mods et des informations, vous avez très très bien compris au titre de la vidéo, alors c'est parti. Alors il y a un peu plus de 2 mois, Rockstar nous avait confirmé qu'ils allaient mettre en place un éditeur d'appartement nous permettant de customiser notre appartement comme on le voulait, etc. Pour le moment, aucune information à ce sujet là et aucune date, et ça c'est bien dommage. J'espère vraiment qu'ils vont nous en donner très rapidement. En tout cas, des modeurs ont pris de l'avance sur Rockstar et ont créé un mini éditeur d'appartement qui leur permettent, grâce à un mode, de changer quelques petites choses dans l'appartement, surtout la couleur des murs, et de rajouter 2-3 petits objets. Donc c'est parti, on regarde les images tous ensemble. Alors la première photo, c'est la salle de planification des braquages. Je ne vois pas du tout ce qui a été modifié dans cette salle, donc peut-être que vous allez le remarquer, donc n'hésitez vraiment pas à me le dire dans l'espace commentaire. Ça fait très longtemps que je suis pas allé sur GTA Online dans mon appartement, donc veuillez m'excuser si je confonds des trucs. Alors pour cette salle, je ne vois pas du tout ce qui a été modifié. En ce qui concerne la salle de bain, c'est le mur qui a été changé. Il y a tout simplement des petits carreaux, ça fait style salle de bain et c'est super stylé. En ce qui concerne l'entrée, on peut voir que le mur à droite est colorié en bleu et le mur tout au fond est en vert. Donc on va zoomer pour voir un petit peu mieux. Vous voyez bien que la cuisine a été coloriée en vert et le mur des escaliers tout à gauche et bleu, c'est assez stylé, c'est assez joli. En ce qui concerne le garage, il a été modifié lui aussi, le sol, les murs, le plafond, c'est super stylé. J'espère que Rockstar mettront quelque chose pour qu'on puisse modifier l'intérieur de notre garage, surtout l'atelier, le sol, les murs, etc. Pourquoi pas mettre des tableaux sur les murs derrière nos voitures, ça pourrait être super cool. Après, je sais pas du tout ce que vous en pensez. Ensuite, nous avons la chambre, tout simplement. Donc il y a rien qui a été rajouté, juste la couleur du mur qui a été changée. Donc après, dites-vous que cela a été créé par un modeur. Alors imaginez ce que Rockstar est capable de faire. Nous allons sûrement pouvoir ajouter des éléments comme des chaînes Wi-Fi, des télés, des lits, des canapés, des chichas, des cigarettes, bref, tout un tas de trucs. Donc il y aura vraiment une panoplie énorme. J'espère en tout cas qu'on pourra mettre nos photos Snapmatic dans les tableaux de notre appartement. Ça pourrait vraiment changer et avoir un appartement vraiment très personnel. On pourrait mettre nos propres Snapmatic, etc. Après, je sais pas du tout ce que vous en pensez, mais vous allez me dire tout ça dans l'espace commentaire, car ça sert à ça. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura fait plaisir. Vous n'oubliez pas de lâcher un petit like si la vidéo vous a plu et de vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye tout le monde.